Je dis merci à papa Florian. Merci, ma fille. Depuis 2 ans, mon mari était très malade. Il avait le cancer de la prostate. Les blancs disent qu'ils vont l'opérer. En opérant mon mari, ils ont dit que mon mari est très jeune pour avoir un cancer de la prostate. Donc ça, si on l'opère, c'est difficile. En 2017, on a fui, on est venu voir papa Florian. On est resté 1 mois. Chaque jour, on venait. Papa Peggy nous recevait. Papa Florian me recevait. Donc, papa Florian nous donnait les choses. On priait. On a fait tous les éléments. On est arrivé à Paris. On va voir l'oncologue. Arrivé à l'hôpital, il va examiner mon mari. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? On ne voit plus les traces. Wow. Il dit, mais où est le cancer est parti? Il dit, je vois que les taches. Il dit, mais brûlez quand même. S'il y a les taches là, enlevez ça quand même. Il dit, mais s'il n'y a pas de taches, il dit, bon, on va essayer de voir. Il dit, bon, on ne voit rien. Il dit, bon, pendant 6 mois, on va voir encore. 6 mois, mon mari repart. On dit, on ne voit plus rien. Wow. On est là-bas, on a appelé papa Florian. Papa Florian a prié pour nous. Quand on est arrivé, il a prié pour nous. Mon mari est reparti. On dit, on ne voit plus rien. Ils ont écrit. On a déclaré mon mari guéri. Super. Donc, c'est mon témoignage. Grand témoignage.